Salut à tous, c'est Eric le coach Galago Musique. Aujourd'hui pour vous, un tuto piano funky en diable avec le morceau La Groupie du Pianiste. Titre écrit par Michel Berger et paru sur l'album Beau Séjour sorti en 1980. Donc énorme succès, hein. Et ce que je ne savais pas, c'est que France Gall a participé au chœur. Donc si vous réécoutez la chanson, essayez de repérer si vous n'entendez pas sa voix. Pour cette première vidéo, je vais juste vous expliquer l'intro, parce que rythmiquement c'est quand même pas évident. Et si vous arrivez bien à vous en sortir comme ça, l'accompagnement du couplet reprendra en fait le même schéma de main gauche, main droite, plus ou moins. Alors allez, suivez-moi, je vous montre comment ça se passe. Alors avant de jouer une seule note, je vous propose de faire un petit peu de polyrythmie. Comme le morceau est quand même vachement percussif, ce serait intéressant d'arriver en tapotant, comme ça, à choper le bon découpage main gauche, main droite. Donc moi je le fais là, parce que c'est plus facile visuellement. Vous pouvez le faire sur vous, hein, peu importe. Alors mesure 1, je vous joue donc les rythmes qu'on trouvera quand on rajoutera les notes. Alors 3, 4. Yeah. Je vous le refais un petit coup quand même. 3, 4. 2, 3, 4. Donc vous voyez, ma main gauche fait tous les temps, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Ouais. La main droite, elle est complètement à contre-temps. Des fois, elle est sur la moitié du temps, des fois, elle est sur un quart de temps, donc on pourrait tout découper compter à la double, mais ça devient complètement dingue. Donc essayez déjà de choper cette cellule de main gauche, main droite à l'oreille. Alors je vous refais juste la première moitié de la première mesure. Ça va donner ça. Gauche, droite, gauche, droite. En cœur. Gauche, droite, gauche, droite. Je vous rajoute la fin de la mesure, le troisième et quatrième temps. Et pour l'exercice, je vais faire tourner en boucle cette première mesure. 3, 4. Redépart. Et 1. 1. Bon, j'espère que vous arrivez à choper ce truc-là. Maintenant, on rajoute les notes. À la main droite, on va avoir si bémol, si bémol. Mon do du milieu est ici, hein, ça permet de vous y retrouver. Donc le pouce sur le si bémol qui est juste un ton en dessous du do du milieu. Et le petit doigt ici, on a des octaves. Les notes vont être si bémol, sol, sol, fa, fa, sol, sol. Il n'y a que ça. Si bémol, sol, fa, sol. La main gauche va jouer la note sol. Et comme on a dit qu'elle faisait les temps, elle va faire 4 noirs d'affilée. 2, 3, 4. Normalement, il faudrait rajouter un petit truc en plus à la fin du 4, mais ça, on verra après. Donc, si vous avez bien réussi votre exercice de polyrythmie qui est donné, donc, hein, je vous le refais un petit coup. 1, et, 2, et, 3, 4, et. Eh ben, transposons ça avec des notes. 3, 4. Ouais. Donc, je vous fais tourner cette mesure 1 en boucle. 3, 4, et. Pour la deuxième mesure, on retourne en polyrythmie. Je pense que c'est une bonne idée. La main gauche fera toujours des noirs, donc elle tapera tous les temps. C'est votre métronome, d'accord? 3, 4. Et la main droite, elle va encore se placer sur des quarts de temps et tout ça. Donc les deux mains doivent donner. One again. 3, 4. Gauche, droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite. On le fait avec des notes. La main gauche joue toujours la note sol, donc 4 noirs sur le sol. À la main droite, on va se placer sur fa fa et on ne jouera que ces deux notes-là. Ça doit donner. Ah non, pardon, on finit sur sol sol à la fin. Gauche droite, droite gauche droite, droite gauche droite, droite gauche droite. Je vous refais une fois en percussion les deux mesures. 3, 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et. Avec les notes. 3, 4. Pour la troisième mesure, rythmiquement, ce sera pareil que la première et la main droite fera exactement les mêmes notes, d'accord? Ce qui change, c'est qu'on n'a plus sol en basse, mais on a si bémol. Donc troisième mesure doit donner. Voilà, on a presque fini notre intro. Ensuite, je vous le joue directement. Je repasse peut-être une fois en mode percussif. On n'a pas vu la marque. Alors la quatrième mesure donne ça. 3, 4 et. Encore. Vous voyez, dans tous les exos qu'on a fait comme ça en percussion, essayez de retenir la petite musique que ça fait en fait.
tin. Puis après, bon, bah, d'arriver à tenir la main gauche en dessous, quoi. Tin, 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 tin. Avec les notes, la main gauche, pour l'instant, va juste faire 4 fois le do d'affilée, 4 noirs. Donc les notes vont être à la main droite, do, si bémol, sol, fa, sol. Voilà. Do, si, sol, fa, sol. Avec les rythmes, 3, 4, et do, si, sol, fa, sol, sol, sol. Je vous le fais tourner en boucle 2-3 fois. Enchaîne la mesure 3 et 4. 3, 4 et. Il nous manque deux mesures et c'est fini pour l'intro. La cinquième mesure, je vous la joue, ça doit donner. À la main gauche, on pourrait jouer que le ré qui est ici. D'ailleurs, il me semble que c'est ce que fait Michel Berger. Mais quand on joue au solo, c'est toujours sympathique d'avoir un truc qui enrobe bien. Donc moi, j'aime bien alterner mon ré qui est à cet endroit-là avec le ré une octave en dessous. À la main droite, on n'aura que du ré et que du ré également. Il n'y a que sur les deux dernières attaques que je rajoute le fa dièse pour faire un accord de ré majeur. Alors sans la polyrythmie directement avec les notes, là, à la main gauche, on n'est plus exactement sur des noirs. Donc essayez de le choper pareil un peu au feeling. 3... 4 et. Encore un peu moins vite. Encore ça. Là, c'était les trois premiers temps. D'accord. Et les deux dernières attaques du quatrième temps, ça va. Encore. Je vous enchaîne la mesure 4 et 5. 3. 4 et. Deuxième mesure. Troisième. Quatrième. Cinquième. Gring, gring. Dès que vous avez fait cette cinquième mesure, vous revenez au début, et la deuxième fois, on remplace cette cinquième mesure par... Ouais, ça c'est trop stylé de la mort. À la main gauche, je suis parti sur ré à la cave, et à la main droite, je vais faire ré, do, si bémol, sol, fa, ré, do, si. Là, on est moins embêté, parce qu'à la main gauche, elle reste enfoncée 4 temps. Attaquerait les couplets. Alors un peu plus vite, 3, 4 et... sur sol mineur, premier accord du couplet. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que cette première partie vous aura plu. Bon, normalement, ça devrait vous embêter un petit peu hein, d'arriver à mettre les mains ensemble et tout ça. Mais en réécoutant bien le morceau, en le bossant lentement et en passant par les étapes de tapotage, je suis sûr que vous arriverez à vous en sortir. Bon, et puis autrement, je redis toujours plus ou moins la même chose à la fin. Si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ou à laisser un petit commentaire. J'aime bien, ça me fait de la lecture. Et puis si mon taf vous plaît, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller sur galagomusic.com sur la page d'accueil. Il y a un petit onglet qui s'appelle Faire un don. Voilà, vous laissez la somme que vous voulez. Je fais passer le chapeau, quoi, voilà. Allez, bonne musique à vous et à très bientôt dans un prochain tuto. Ciao !